Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel de comment ajouter ou supprimer des colonnes ou des lignes sur un tableau Word. Pour commencer, on sélectionne l'endroit où vous voulez ajouter une colonne. Dans ce cas-là, on va l'ajouter ici parce que, comme vous voyez, il manque la colonne de mercredi. On vient à Outils de tableau, Disposition, insérer une colonne à droite. Et comme vous voyez, il y a une colonne qui s'est ajoutée. Maintenant, nous allons écrire mercredi. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons supprimer la colonne de samedi. On sélectionne la cellule. On vient à l'onglet Outils de tableau, Disposition, Supprimer, Supprimer les colonnes. Et comme vous voyez, la colonne de samedi est supprimée. Pour ajouter une ligne, on sélectionne la cellule ici, on vient à nouveau sur Outils de tableau, Disposition, insérer en dessus, on clique et on écrit 18h. Maintenant, nous allons supprimer une ligne. Dans ce cas-là, nous allons supprimer la ligne de 20h. On sélectionne la cellule ici. À nouveau, on vient à l'onglet Outils de tableau, Disposition, Supprimer, Supprimer les lignes. Et comme vous voyez, la ligne de 20h est supprimée. Merci beaucoup et à la prochaine.